projet d'aménagement du Lido, c'est-à-dire les dunes de sable du Petit et du Grand Travers, est en bonne route. Les travaux d'agencement du littoral permettront de réhabiliter et de préserver les dunes et les plages héraultaises. Les grandes lignes projet d'aménagement, c'est la reconstitution de la plage avec un ensablement, c'est le recul stratégique des activités dont la route, pour permettre justement à ce cordon dunaire de n'être plus coupé en deux et de retrouver un fonctionnement normal d'alimentation de la plage en sable. Les travaux prévoient un chemin piétonnier et une piste cyclable qui longe la plage et relie les parkings entre eux. Les transports en commun seront bien sûr privilégiés. Le développement durable intègre les déplacements et à ce titre, donc, les lieux de pose et de dépose des usagers de la plage seront facilités. Alors, on m'a posé la question, est-ce qu'il y aura le tramway, pas le tramway? Aujourd'hui, ce n'est pas le débat. Le projet d'aménagement du littoral est évalué à 5 millions d'euros et doit aboutir à l'été 2015.